يعني نعرف عفوا اننا ما نخلو ينوموا في الشوارع وكذا، كل جبناه البيجي يعني نستقبله هنا وننظمه في الكراب السوداني والتشادين والإريتريين والتفية الإباريين، كل نظمناه يعني نترمو مع بعض ونعيشه. عشان كده الشباب هنا خايفين، في شباب اجراتهم تعبانه، وفي شباب كانوا شكالين ما عطون بيوت، وفي يعني مواجهات كثيره، شباب عندهم في السكن يعني ما عندهم مكان يسكنوا كده، يعني خايفين عشان يمشوا في الشوارع يتعانوا في الشوارع. Pendant deux ans il y avait à peu près 200 personnes, mais depuis les expulsions des autres squats en Île-de-France, notamment dans le cadre des JO, du nettoyage social constant qui est en train de se passer, il y a pas mal de gens qui sont venus ici, du coup la population a beaucoup augmenté. Cette situation s'inscrit dans une situation, enfin un contexte général de manque de logement en France. 40% des gens ici à peu près sont reconnus réfugiés, donc peuvent travailler et une partie d'entre eux travaillent, mais ils n'ont toujours pas accès à un logement. Donc c'est à un moment, c'est aussi un manque de... C'est une politique de ne pas mettre à disposition des logements. Il y a un jour viendra, on doit libérer ici, c'est normalement, parce que c'est le bâtiment de quelqu'un. C'est très compliqué pour nous, pour les jours qu'on sort ici, sans logement.